Salam. Alors voilà, nous sommes un groupe de trois personnes qui avons collaboré avec le consulat marocain sur l'organisation d'un tournoi de mini-foot indoor en soutien à la candidature du Maroc pour accueillir sur son territoire la Coupe du Monde 2026. Donc on espère vraiment que la Coupe du Monde 2026 se fera au Maroc. En dehors de ça, nous sommes un groupe de travail qui avons collaboré sur plusieurs projets avant ça, et nous espérons que ce tournoi soit le premier tournoi d'une longue lignée de tournois, Inch'Allah. Donc voilà, et l'ASBL qui a été utilisée pour ce tournoi, c'est l'ASBL Madrim Team. Donc c'est une ASBL qui s'occupe de jeunes Molenbeekois ici sur la commune de Molenbeek-Saint-Jean, qui a pour but de donner la parole aux jeunes, de leur donner cette impulsion qu'ils n'ont pas dans la vie de tous les jours. Et donc je soutiens cette ASBL tout comme mon équipe et tout comme beaucoup de personnes ici sur le territoire molenbeekois. Mais on a eu l'idée pour cette organisation de pouvoir aider pour soutenir la candidature du Maroc pour l'obtention de la Coupe du Monde 2026. On s'est mis à plusieurs personnes afin de satisfaire et de pouvoir une soirée pareille, de faire un tournoi aux jeunes et pour promouvoir le sport. Je pense que ça fait une réussite, on a eu beaucoup de jeunes. Espérons que maintenant la seule chose, que la décision tombe et que le Maroc accueille la Coupe du Monde 2026. Voilà, donc nous sommes ici à Bruxelles, à Molenbeek, en Belgique, pour contribuer au lancement de la campagne pour le Maroc, pour que le Maroc obtienne la Coupe du Monde en 2026. Alors le Maroc l'a raté en 2010, mais cette fois-ci le Maroc a certainement beaucoup plus d'atouts, beaucoup plus de chance et beaucoup plus de soutien pour l'obtenir, en tout cas en parfaite équité. Et puis il faut rappeler quand même que pour le football, pour le Maroc, c'est un élément extrêmement important, parce que le football, c'est un événement sportif mondial, mais c'est surtout un événement qui rassemble les peuples, qui rassemble les communautés. Et ici en Belgique, les Belges d'origine marocaine soutiennent le Maroc à du 2000%. Voilà. Bonjour tout le monde, on est là pour soutenir le Maroc pour la candidature de 2026 et j'espère que cette fois-ci, ça va aller. Et je suis là pour vous soutenir aussi dans chaque occasion. Nous sommes très contents d'avoir été conviés à cette journée footballistique pour le premier tournoi Marocco Cup qui est, franchement, a été une très très belle réussite. Nous sommes aussi contents de soutenir le Maroc dans cette candidature pour la Coupe du Monde 2026, car en tant que Sénégalais, nous sommes des amis et vraiment des frères de tout le peuple marocain, on est tous derrière eux. D'ailleurs, nous avons notre ambassadeur Khalilou Fadiga qui est aussi ambassadeur pour la Coupe du Monde et pour la victoire que nous aurons, parce qu'en 2026, ce sera au Maroc et sinon ce sera nulle part. Donc nous sommes très contents d'avoir participé à ce moment-là et puis en espérant de se revoir tous en 2026. Nodel Qasri, l'initiative de l'Yuma, l'initiative de Mziana, l'organisation de la Coupe du Monde 2026, qui est demain le Maghreb, Inch'Allah. وعاد تكون كيعرف بان العديد ديال الدول اللي كتستهل المغرب خصوصا جنوب امريكا والافريقيا واوروبا والمغرب ان شاء الله غيكون عنده التنظيم هذا العام لان الخامسه ثابته ان شاء الله غتكون بان المغرب تاهل الى المونديال وكل شيء هذه السنه غتكون سنه رياضيه بكل المقاييس اذا المغاربه ديال الجاليه ديال اوروبا كذلك اتحاد رياضيين المغاربه باوروبا كنساندو تنظيم المونديال ديال المغرب 2026.